Salut les gars et bienvenue dans cette partie-là où je propose qu'on fasse un réarrangement de nos fichiers SCSS. Donc je propose en fait qu'on fasse un découpage de nos fichiers SCSS parce qu'on a certains fichiers qui deviennent déjà assez longs. Donc dans cette partie, on va simplement faire le découpage des fichiers SCSS et on va faire un autre commit. On va se rendre donc dans notre éditeur de texte et on va commencer à parcourir les fichiers un à un afin de savoir lesquels il faudra découper et peut-être ce qu'il faudra laisser. Et puis après, ça dépend de vous, si vous trouvez qu'il y a certains fichiers qui sont trop longs chez vous, ou alors si vous trouvez qu'il y a certains fichiers que vous pouvez laisser sans découper, libre à vous. Mais je vais choisir certains fichiers qui sont assez longs, notamment dans le header d'abord. Et on va venir au niveau du navigation. Le navigation fait quasiment 114 lignes et j'estime que c'est trop long. Encore qui peut être coupé, de quelle façon? On va dire qu'ici on a le nav item et ici on a la partie qui porte le nav item et le submenu. Donc on va enlever ces deux catégories de nav item, la catégorie nav item qui porte également la classe submenu et la catégorie nav item simple. On va venir dans un premier temps et on va demander à importer par exemple le fichier qui va s'appeler nav item. Ce fichier n'existe pas. Vous voyez que mon IDE me signale que ce fichier n'existe pas. Et là, il me propose de créer ce fichier. Je vais dire oui, je crée ce fichier directement là. Et ça m'a créé le fichier navitem.scss. Et ça, c'est l'avantage justement qu'on travaille avec un environnement de développement intégré. Ce sont des éditeurs de texte tellement avancés qu'ils détectent certaines conneries et ils proposent de les corriger au bon vouloir. On va revenir ici, on importe ce fichier et dans ce fichier, on va simplement couper tout le code du navitem. On va le coller à l'intérieur. On étend le code, on purifie le code et on sauvegarde. Ensuite, on va demander à importer un deuxième fichier. On va simplement dupliquer le premier et à lui, on va ajouter un tiret et on va dire submenu. Comme pour dire, on veut importer le nav item qui a la classe submenu. Mon IDE me signale que ce fichier n'existe pas. Il me demande à le créer et oui, je crée également ce fichier. Et dans ce fichier, je vais simplement couper toute la partie du nav item submenu et je vais la coller ici. Je vais purifier légèrement mon code, je vais l'étendre et je vais enregistrer. Donc à cet instant, j'ai déjà mes deux parties que j'ai coupées. Si j'arrive au niveau de mon navigation, il devient relativement plus court. Je peux également aller plus loin en coupant directement le navlinks. Donc je coupe le navlinks et je demande en fait à importer un fichier qui sera à import et je demande d'importer un navlinks. L'éditeur me demande à le créer. Je crée ce fichier. Bien évidemment, je l'ajoute à l'index de Git et je coupe tout le navlinks qui se trouve là. Je viens l'ajouter ici. Je purifie mon code comme toujours. Je l'étends et je sauvegarde. Donc, dès cet instant, vous voyez que quand on va arriver dans le navigation, la seule chose qu'on va voir en réalité, c'est le code qui concerne le navigation et uniquement le navigation, notamment sa partie au niveau de la responsivité. Ensuite, on va se rendre compte que le reste, c'est dans le fichier navlinks. On va se rendre dans navlinks. Et dans navlinks, on a uniquement le code qui concerne le navlinks et le reste du code va se trouver dans ces deux fichiers. Donc, on pourra aller regarder ces deux fichiers au besoin si on a envie de modifier. On a fini avec le découpage du navigation. Est-ce que dans le header, on veut découper quelque chose? Non. Tout ce qu'il y a dans le header, on va le laisser comme ceci. Ou alors, je pense qu'on peut couper le hamburger. Et on va venir, on va demander à importer hamburger. Mon éditeur me demande à créer ce fichier. Je lui dis oui, il me crée ce fichier. Je coupe hamburger de là où il était ici. Je coupe le hamburger de là où il était ici. Et je le colle dans son fichier à part. Je purifie, j'étends et j'enregistre. Je reviens dans le header. Quand je vais regarder, je vais me rendre compte que j'ai le header ici. Tout ce qui est là concerne le header. Ensuite, on aura le code du logo. Je le trouve relativement court, donc je ne vais pas le couper. Et on aura ces deux imports qui ne sont pas ici. Je pense qu'à ce moment, on a fini avec le header. On va regarder si le préprocesseur a bien compilé. Et vous voyez que tout a été bien compilé. On va venir regarder dans notre navigateur. Est-ce que notre code a changé? On va actualiser. Et vous voyez qu'il n'y a rien qui a changé, donc le code fonctionne toujours normalement. Mais l'avantage,
On a fini de découper tous nos fichiers et désormais, on peut lire les fichiers plus facilement. On va venir regarder le foot. Et dans le foot, est-ce qu'on peut couper? Oui, on peut couper. On va laisser uniquement le footer blocks ici. Mais on va couper le F-links et le S-links, ensuite le copyright. Donc, on va demander à importer premièrement un fichier qui sera un F-links. On va le créer. On coupe tout le code du F-links. On le colle à l'intérieur. On purifie légèrement. On étend. On enregistre. Ensuite, on va demander à importer un autre fichier et ce fichier lui sera le S-Links. Vous l'aurez deviné bien sûr. On va créer le S-Links également et on va couper tout le code du S-Links. On va le mettre ici. On va purifier, on va étendre, on enregistre et enfin on va importer un autre fichier et ce fichier sera simplement un copyright. Un copyright comme ceci. On va créer ce fichier également. Et on coupe tout le code du copyright, on le met à l'intérieur, on purifie, on sauvegarde, on étend. On sauvegarde le fichier footer et vous voyez que le fichier footer devient relativement plus simple à lire. On arrive, on voit les footer blocs qui sont ici et après on se rend compte que tout le reste du style est dans les fichiers séparés. On a les F-links, on a les S-links et on a le copyright. Donc si on veut modifier quelque chose, on sait exactement dans quel fichier on a envie d'aller modifier. On va refermer et on a fini avec les footers. Qu'est-ce qu'on peut couper d'autre? On vient regarder le predefined ici. Et dans le predefined, on a beaucoup de code. On a vraiment beaucoup de code. Le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment comment on va découper ça. Donc, je propose qu'on commence à découper en ajoutant d'abord quelque chose qui sera, par exemple, un import. On importe les titles. Donc, on importe tout ce qui est titre. Et dans tout ce qui est titre, on va coller tous les codes des H déjà. On colle ces codes. Ensuite, on va coller. Ensuite, on va également enlever tous les codes qui concernent les titres, dont les main title et les L4 title. On va ajouter ces codes ici à l'intérieur. Donc, on s'arrête là pour les titles. Ensuite, on va créer un deuxième fichier. Donc, on va importer un autre fichier. Et ce fichier, on va l'appeler simplement grid. Grid ici pour dire que ce sont les grilles. Et quand on parle de grilles, il y a un système de grilles bien évolué avec les colonnes et les lignes que je ne vais pas vous montrer ici. Si vous êtes intéressé par ça, vous n'avez qu'à me demander et je vous ferai un tutoriel particulier sur les grilles. Mais ici, j'ai fait simplement dans grilles, j'ai mis uniquement le container et la row. C'est tout ce que j'ai mis comme grille. Donc, on va enlever tout le code du container et tout le code de la row. C'est ces deux codes qu'on mettra ici au niveau de grid. On purifie le fichier, on l'enregistre, on étend nos codes, on referme ces fichiers et ensuite, ce qui concerne le HTML, le body, les P, les A, les UL et tout, ce sont les comportements que j'ai donnés par défaut, j'ai forcé. Donc, je vais les appeler ici les resets. Je vais les appeler ici les resets. En quelque sorte, ça veut dire que j'ai redéfini leur comportement. Donc, je vais dire ici que c'est le reset. Et je vais créer également ce fichier reset. Je vais coller tout le code que je viens de couper de l'autre côté. Je purifie, je sauvegarde, on ferme. Et il y a ensuite les icônes, les paddings. Je vais découper tous les paddings. Et pour les paddings, je vais importer un fichier que je vais appeler padding. Je crée ce fichier. Je colle tout le code que je viens de couper à l'intérieur. Et si plus tard on a les margins, on va également créer un fichier pour les margins et on va les coller à l'intérieur. Ici, ce sont les styles pour les images. Je vais découper ça et je vais venir ici pour dire, j'importe un truc qui va s'appeler img et je vais créer ce img. Dans ce img, je vais coller tout le code que je viens de couper. Je purifie, je sauvegarde, je referme ça. En fait, là, je suis en train de couper des codes qui sont relativement courts, mais je m'imagine juste qu'on peut avoir des choses à ajouter plus tard au niveau des images et on va venir mettre ça au niveau de cette page. Pour le reste ici, je vais laisser parce que je les trouve relativement courts, comme je disais. On va laisser ça comme ceci. Mais si on a envie de faire des modifications ou alors si on veut ajouter d'autres titres plus tard ou ajouter les grilles ou ajouter d'autres grilles, on va venir enrichir
les micro-fichiers qu'on vient de créer. On ne va pas continuer à allonger le code. Actuellement, nous sommes à 30 lignes seulement parce qu'on a découpé tout ce qu'il y avait dans des micro-fichiers. Donc, on va s'arrêter là pour le predefined.css. Au niveau du main task, quand je vais regarder, est-ce que le code est très long? Non, le code n'est pas long. On a à peine 30 lignes. Je vais laisser comme ça. Au niveau des fonts, on a relativement une seule ligne. On va laisser ça comme ça. Au niveau du cadre, au cadre, on a quasiment 30 lignes. On va laisser ça comme cela. Au niveau des buttons, et au passage, je me rends compte qu'on avait oublié de faire quelque chose. Quand on a géré les boutons des articles ici, au suivant, on n'a pas géré l'effet du survol. Par contre, si on revient ici, on survole, vous allez voir qu'il y a un effet qui se produit. Donc, on va corriger cette erreur tout de suite, cet oubli. On va venir dans notre fichier button.css et on va dire que lorsqu'on survole le bouton, c'est l'effet du hover. Et on va également dire que lorsqu'on a le focus sur le bouton, le focus en fait, on a cliqué sur le bouton et après, le bouton reste avec une couleur parce qu'on a cliqué dessus. Donc, on a ciblé le bouton en quelque sorte. Donc, lorsqu'on a le hover, on le survole, ou alors on prend le bouton comme cible, donc on le focus. On va dire qu'on veut mettre un outline à none. Une couleur de fond BGC. Et cette couleur de fond, on va la traiter avec une fonction du préprocesseur SAS qui est darken. Cette fonction assombrit la couleur qu'on lui donne en fonction d'un pourcentage précis. Et on va dire que la couleur qu'on va assombrir, c'est le main color. On va l'assombrir à 7%. On va l'assombrir à 7%. Ensuite, on va donner un box shadow et le box shadow sera 2 pixels, 4 pixels, 8 pixels avec un système de couleur RGBA auquel on donne simplement la couleur noire. Et on va demander que cette couleur soit traitée à 5%. On va sauvegarder et si on revient désormais actualiser notre page et qu'on regarde, vous voyez qu'au survol, on a désormais ces effets qui se produisent. On va revenir dans notre fichier button.css et on va donner aussi l'effet du focus au bouton outline. Donc, on va dupliquer ceci et au niveau du hover, on va dire que c'est en fait le focus. On va sauvegarder et après, on va se rendre compte que les lignes de code ici sont relativement courtes. Donc, on n'a rien à couper là. On n'a rien à y couper. On va refermer. On va revenir regarder au niveau de la bannière. Est-ce que dans la bannière, on veut couper quelque chose? Non. Dans la bannière, on a simplement 32 lignes, donc on ne va rien couper. Et au passage, vous allez vous rendre compte que cette petite partie a changé par rapport à ce que vous avez chez vous. En réalité, mon éditeur de texte n'était pas vraiment content que j'écrive des lignes de code que je pouvais factoriser. Donc, je les ai factorisées. Pour faire simple, ces lignes de code étaient écrites comme ceci au départ. Donc, on a les trois lignes ici. Quand vous allez regarder votre code, vous avez ces trois lignes. Mais en réalité, ces trois lignes peuvent être écrites sur la même ligne. Quand on précise le background, une fois qu'on lui donne le premier paramètre, qui est l'image ou alors la couleur qu'on veut, le deuxième paramètre, c'est le background repeat. Donc, je vais venir ici, sans mettre de virgule, je vais simplement dire no repeat. Le troisième paramètre qu'on va donner, c'est le background position. Et je vais juste mettre un espace sans mettre de virgule et je vais également ajouter top. Dès cet instant, je peux enlever les deux parties qui sont ici et vous allez vous rendre compte que tout va continuer de fonctionner normalement. Donc, ça ne nous sert à rien d'écrire des lignes alors qu'on peut gagner en espace. Surtout que si le fichier est long, on va s'y perdre. Donc, on va factoriser le code de cette façon. Et on est également fini avec le banner.css. On va venir regarder l'article et je crois que c'est le fichier le plus court qu'on puisse avoir depuis qu'on travaille dans ce projet. On va donc le fermer et je crois que là, on a fini avec le refactoring. On va venir dans notre ligne de commande. Et dans la ligne de commande, on va faire un git commit -m et on va dire optimisation du code version 2.0. Et là, on me dit que je n'ai aucun commit à faire, c'est vrai, j'avais déjà fait un commit précédemment, mais chez vous, quand vous allez faire, ça va vous créer un dépôt du commit. Donc, je propose qu'on s'arrête là pour cette partie et dans la prochaine partie, on va gérer le caractère responsive de la bannière de notre site. On va se retrouver dans la prochaine partie et merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la page et à partager le lien de la vidéo.